Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit peu le retour de la peinture que j'avais faite parce que bien, je peux déjà vous donner un petit peu les premières impressions parce qu'il y a eu pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Et franchement, ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer. Alors ici, je suis en train de me faire une petite construction. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc du coup, je suis venue peindre le bois avec la peinture écolo. Et il n'y a plus. Et donc, comme on peut voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais si là, eh bien, l'eau, elle rentre pas dans le bois, elle reste au-dessus. Donc, c'est que la peinture fait quand même son effet. Là, en plus, j'ai passé que deux couches et il faut en passer trois. Donc, déjà, dès la deuxième, on voit que l'eau ne rentre plus à l'intérieur. Et là, je vous montre donc, c'est un bois là qui n'a pas été peint. Hein. Et donc, comme on peut voir, il n'y a pas d'eau en fin de compte qui stagne au-dessus. Hein. Donc, j'en déduis pour l'instant que ça fonctionne quand même pas mal. En plus de ça, hein, quand on marche dessus, hein, on sent que ça fait glissant en fait sur la surface. Donc, bah, franchement, je suis plutôt assez contente. Après, ce qu'il faut voir, c'est bah, le nombre d'années. Que ça dure, mais bon, je vais vous dire franchement, pour 10 litres, ça coûte 5 euros. 5 euros de peinture pour 10 litres, clairement, même s'il faut refaire un petit peu de temps en temps et tout ça, c'est pas ça qui coûte cher, ni rien. Donc, c'est plutôt cool d'avoir trouvé un petit peu cette astuce. Voilà, donc bah, de toute façon, là, je vais me faire des constructions où je vais tout peindre avec cette peinture-là. Et donc, d'ici quelques années, je pourrai avoir un petit peu le retour et voir vraiment à quel point cette peinture est efficace. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.